les 144 000 du livre de l'Apocalypse. Une interprétation. Dans l'Apocalypse, chapitre 6 versets 9 à 11, à la l'ouverture du cinquième sceau, nous voyons une vision de « ceux qui avaient été mis à mort, à deux causes, la parole de Dieu, le témoignage qu'ils avaient rendu. Ce sont des âmes d'êtres humains, qui avaient gagné beaucoup d'autres la foi en Jésus, au cours de leur vie terrestre. Comme ceux-ci crient au Seigneur qu'ils vengent leur sang, une voix leur dit d'attendre que deux choses se produisent. Que le nombre de leurs compagnons de service soit au complet. Que leurs frères soient mis à mort comme eux. Ces hommes venus dans le ciel, doivent être remplacés sur la terre, par un certain nombre d'autres, qui gagnent des autres à la foi en Jésus. Dans Apocalypse 7, 3 à 9, nous apprenons deux faits sur ces « serviteurs » de Dieu. Il y en aura exactement 144 000, 12 000 de chaque tribu des fils d'Israël. Ils doivent être scellés sur leur front par les anges. Étant juifs messianiques, ces 144 000 demeurent distinctes de la foule immense que personne ne peut compter, des hommes de toutes nations, tribus, peuples et langues. Dans Apocalypse 14, 1 à 5, tous les 144 000 se voient chanter dans le ciel, suivant Jésus partout où il va. Nous apprenons deux choses au sujet de ces hommes. Ils avaient dit la vérité, sans mentir ni errer. Ils étaient restés moralement irréprochables. Selon Apocalypse 13h15, ces 144 000, en plus des autres, auront été assassinés par la bête de la fin des temps. Dans Apocalypse 20, 4 à 6, nous prévoyons ce que la bête avait tué. Ils n'avaient ni adoré la bête, ni reçu la marque de la bête. Ils avaient été décapités à cause de leur témoignage et de la parole de Dieu. Ils se sont ressuscités pour régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Résumé sur les 144 000 du livre de l'Apocalypse, ils seront tous des juifs messianiques de toutes les 12 tribus. Ils ne mentiront point, et ils resteront moralement irréprochables. Ils vont gagner des multitudes d'autres la foi en Jésus. Ils refuseront d'adorer la bête, ou de recevoir sa marque. Ils seront tués, et leurs âmes iront auprès de Jésus. Jésus les ressuscitera, lorsqu'il reviendra à la terre. Ils régneront avec Jésus pendant 1000 ans. Les 144 000 annoncent la parole de Dieu, et témoignent de Jésus au cours des 42 mois, où les deux témoins de Dieu occupent le troisième temple à Jérusalem. Êtes-vous juif? Si oui, alors vous pouvez mettre votre foi en Jésus le Messie maintenant, et ainsi être prêt à devenir l'un des 144 000. N'êtes-vous pas juif? Vous aussi, vous pouvez mettre votre foi en Jésus le Messie, et ainsi avoir un rôle dans son royaume à venir.